Une réouverture dès le 11 mai prochain, cette crèche d'Alfortville s'y prépare. Elle accueille depuis le début du confinement les enfants de soignants et des forces de l'ordre. Mais pour la municipalité qui en a la charge, pas sûr que les conditions soient réunies pour accueillir tous les enfants. Si je vois qu'il y a du flottement, je vous le dis, je n'ouvrirai pas les équipements publics. Je ne prendrai pas cette responsabilité-là, alors que nous devons marcher sur deux jambes. La jambe des services publics municipaux et la jambe des réponses et des matériels apportés par l'État. Aujourd'hui, on voit bien, il n'y a pas de tests, il n'y a pas de masques, il n'y a pas de réponse, donc ça devient très compliqué pour nous. Autre difficulté, faire respecter les gestes barrières à des enfants qui ont entre 0 et 3 ans. Un défi pour toutes les crèches de France qui réfléchissent à la mise en place de petits groupes et surtout d'activités adaptées.